que je vais aborder. La première question, c'est, enfin justement, c'est plutôt se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, et ça demande un travail sur nous-mêmes, c'est vrai qu'on a peut-être été un peu formé comme ça, cette tentation de focaliser sur ce qui ne va pas. Et sur la situation objective, hein, sur ce qui apparaît. Voilà, ce sont des divorcés mariés. Ah, bon, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va fermer les yeux sur ces difficultés, mais ne focalisons pas d'abord là-dessus. Hein. Ensuite, évidemment, on va inviter les gens à cheminer. Et c'est comme je le disais hier, c'est un acte d'amour. Parce que le Seigneur nous aime et nous invite à la conversion. Hein. Dans l'Évangile, c'est une des paroles, premières paroles de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, bien sûr que le Seigneur nous pousse, nous bouscule et nous pousse à nous convertir. Et parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bien. Mais ceci dit, cette conversion demande du temps. Et elle ne peut s'imposer de l'extérieur. On ne peut pas imposer une conversion de l'extérieur. Et puis, qui de nous peut prétendre, malgré l'aide de la grâce, nous avons l'aide de la grâce, nous bénéficions des sacrements, etc., qui de nous peut prétendre être totalement converti, totalement sans péché? Aucun d'entre nous. Donc, face à ces situations dites imparfaites, ben, il faut se poser des bonnes questions. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir d'abord si la personne est en règle ou pas, mais plutôt comment nous allons l'aider à avancer vers le projet de Dieu sur elle. Ben, il faut qu'on arrive à intégrer ça dans notre réflexe. Hein, comment je vais pouvoir aider cette personne? Je prends un exemple. Si vous voyez un jeune qui se drogue, la question, c'est pas de savoir s'il est en état de péché mortel ou pas. C'est pas ça la question. La question, c'est comment je vais l'aider, ce jeune, à se libérer de la drogue. Ben, ça, c'est naturel, non? Il n'y a pas très longtemps, il y a un curé de paroisse, il n'est pas corse, qui a un peu de mal avec les confréries dans sa paroisse. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et il m'a dit, mais quand même, enfin, monseigneur, ces gens, on ne les voit jamais à l'église. C'est vrai. Mais alors, le jour où il y a leur fête traditionnelle, le jour de la fête de la procession du Saint-Sacrement, ah, c'est la tradition, donc ils veulent absolument... et alors, il y a plusieurs confréries dans cette commune, donc ils font plusieurs processions du Saint-Sacrement qui se croisent, machin, et ils sont tous là, on invite confrères à chanter derrière le Saint-Sacrement, ils n'en ont rien à faire du Saint-Sacrement. Alors, il est en guerre et tout ça. Je dis, oui, mais père, c'est vrai, mais si vous commencez par dire ça et puis rentrer en guerre, ça ne va pas les aider. Donc, essayez de rentrer en dialogue avec eux, une relation de confiance, puis peu à peu, de les conduire à faire grandir dans la foi. C'est ça qui était important. Autre exemple, puisqu'on va bien sûr parler de la question des personnes divorcées remariées. Moi, comme jeune prêtre, comme tous les prêtres, en arrivant dans une paroisse comme curé, bah, au bout d'un moment, on se rend compte que tel couple, ils viennent communier, ils sont divorcés remariés. D'accord, mais on va pas avoir une attaque. L'horreur, abomination, ils viennent communier. Non, ça ne doit pas être notre première réaction. Voilà, ce sont des gens qui sont dans cette situation. Et puis on se dit, comment je vais pouvoir... Je ne vais pas forcément leur sauter dessus à la sortie de la messe. Ah, attention, vous êtes en état de péché mortel. Je vais essayer d'établir une relation de confiance, de les connaître. Et puis à un moment donné, quand je vais sentir que le moment est venu, on va peut-être pouvoir en parler. Mais oui, ne pas... focaliser, nous ne sommes pas des espèces de gardiens de l'ordre moral d'un point de vue extérieur, il ne faut surtout pas qu'il y ait de péché. Non, ce n'est pas ça notre rôle. Et puis s'il fallait contrôler tous ceux qui viennent communier aujourd'hui, hein, ce serait compliqué. Hein. Il faudrait peut-être mettre un pass comme dans les aéroports, vous voyez, un pass pour voir ceux qui sont en règle pour communier. Hein. Parce qu'il n'y a pas que les divers mariés qui sont... Après, bien sûr, on en reparlera peut-être, il faut éduquer nos fidèles au sens de la communion. Hein. Mais vous savez, tous ces gens qui sont peut-être mariés en règle, mais qui viennent communier tous les dimanches et qui ne sont pas confessés depuis 3 milliards d'années, ils ne sont pas davantage en mesure de communier que les autres. Hein. Ça n'a plus aucun sens. Bon. Donc, s'il fallait contrôler tout le monde... pareil, les jeunes qui vivent en couple avant d'être mariés, ou en tout cas sans être mariés, on en connaît tous dans nos familles, etc. On ne va pas leur sauter dessus en disant « Ah, t'es en état de péché mortel !» Bon,
On va essayer d'établir un dialogue et puis, et comme dit le pape François au numéro 293, y voir, je cite, une occasion à accompagner dans le développement menant au sacrement du mariage. Oui, toujours la même idée finalement, hein. Et plutôt de leur dire, parfois ça arrive encore, hein, on voit des... Alors c'est plutôt maintenant les personnes âgées qui disent ça parce que les autres, ah, vous êtes en état de péché mortel, ben, plutôt, comment leur faire découvrir que le sacrement du mariage est un cadeau, un vrai cadeau pour eux. Bon, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le regard hier. Deuxième point, prendre en compte la diversité des situations. Je l'ai dit hier parce que ça touche toute la pastorale, hein, mais bien sûr en particulier ces situations délicates. À propos des divorcés remariés, bon, excusez-moi, quand je dis divorcés remariés, il faudrait dire les personnes divorcées et engagées dans une nouvelle union, hein, mais bon, vous comprenez. Et le pape cite le cas numéro 298, je cite. Le cas d'une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l'irrégularité de leur situation. Voilà, bon, ça c'était un exemple. Personne divorcée et mariée. Et puis dit, ben, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient d'envoyer balader sa femme, qui s'est remis tout de suite avec quelqu'un d'autre, et qui dit, moi c'est comme ça, et puis qui dans l'auto-justification. Dans les deux cas, ce sont des divorcés et remariés, mais c'est des situations très diverses. Donc, nous devons bien sûr tenir compte de tout ça. C'est vrai aussi pour les catéchumènes. Hein. J'ai un peu évoqué hier. C'est compliqué pour nous parfois, les catéchumènes. Alors, on verra pour les jeunes qui vivent en concubinage. On arrive quand même. Si on s'y prend pas trop mal, on finit par y arriver pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils se marient, etc. Mais vous savez bien que c'est pas toujours si simple. Quand vous avez par exemple une femme qui découvre la foi, qui dit je veux être baptisée, et puis elle vit avec un homme qui lui était déjà marié validement avant, c'est compliqué, hein. Alors là aussi, il faut tenir compte de. Je pense à cette femme que j'ai vue il y a. L'an dernier, c'est pour vous montrer que les situations parfois sont. C'est une femme qui est née en Afrique. Alors, ses parents étaient français, mais je crois qu'elle avait une mère africaine, bon, et un père métis, je crois. Enfin bref, elle est née en Afrique, très très prématurée. Et là-bas, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et les parents, avec ce petit bout d'enfant-là, sont vite allés voir le curé pour qu'il la baptise. Et le prêtre a dit, non, non, mais ça vaut pas le coup, elle va mourir. Vous imaginez la blessure pour les parents déjà, et ensuite pour elle, parce qu'après, quand elle a grandi, on lui a expliqué ça, on lui a dit ça. Elle en a été profondément meurtrie. Et donc, c'est une femme qui a rejeté Dieu, l'Église et tout ça, à cause de cette faute grave. Après, la Providence a voulu qu'elle redécouvre la foi. Et donc, il n'y a pas très longtemps. Et elle vit avec un homme, alors qui est assez âgé, bien plus âgé qu'elle, elle a dans les 50 ans, et qui avait déjà été mariée. Alors, compliqué, oui. Alors là, bon, j'ai longuement parlé avec elle, etc. Et puis, en lui expliquant la difficulté objective, et je voyais qu'elle comprenait tout ça, et elle n'était plus du tout dans la rancœur vis-à-vis de l'Église. Elle a fait vraiment un chemin magnifique, hein. Mais je me suis dit, là, si je dis non au baptême, là, je risque de, compte tenu de toute cette histoire-là, mais je risque de la scandaliser, elle va claquer la porte à jamais, quoi. Et donc. Alors j'ai quand même essayé d'aborder la question de vivre en frère et sœur et tout ça. Alors j'y suis pas allé directement, j'y suis allé. Mais elle m'a dit, mais vous savez, c'est mon désir le plus profond, et c'est en gros c'est ce qu'on vit, hein. Donc là je me suis dit, bon. Et donc j'ai dit, ok, pour le baptême, et ça a été magnifique. Et puis c'est vraiment une femme qui maintenant, parce que parfois vous savez bien, hein, ils sont baptisés, et puis non, non, elle est vraiment accrochée au Seigneur. Mais oui, c'est un exemple pour vous dire que les situations sont très diverses, et on ne peut pas traiter les gens comme des numéros en appliquant des principes. Oui, il faut tenir compte de la diversité.
Et c'est pour ça qu'il est difficile de donner des recettes hein, qui marchent dans toutes les situations. Hein. Le pape il dit dans Amoris Laetitia, n'attendez pas de ce texte qui vous donne une règle simple, précise à appliquer dans tous les cas, comme un protocole dans une entreprise. Hein. Non. Le point suivant, c'est donc permettre une meilleure intégration. Bon, ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les propos du pape. La route de l'Église est celle de l'intégration et pas de l'exclusion. Hein, numéro 296. Je vous le disais hier, l'Église n'est pas un club de parfaits. Donc, il s'agit pour nous, notre premier souci, c'est de les intégrer. Alors attention, quand je dis les intégrer, encore une fois, ça ne veut pas dire on ferme les yeux sur la situation difficile, parce que ça, c'est aussi une tentation. Hein. Il y a, entre parenthèses, c'est important de se connaître. On a tous des tempéraments, des histoires différentes, etc. Donc, quand je disais hier, vous savez, cet équilibre, vous avez reparlé de l'équilibre entre, disons, laxiste et rigoriste, ben, nous, en fonction de notre éducation, de notre histoire, de notre tempérament, on penche plus d'un côté que de l'autre. C'est important de le savoir, hein, parce que, tantôt, il faut aussi s'auto-corriger. Hein, si on veut être dans cet équilibre. Donc, parfois, on sait, bah voilà, par nature, moi, je serais plutôt du style, allez, hop. Et puis, au contraire, par nature, je serais plutôt du style, attention, la loi d'Ussia, il faut. Ouais. Bon, eh ben, il faut, de temps en temps, être capable de se réguler. Hein. Et donc, quand on parle d'intégration, si je penche du côté un peu laxiste, je peux avoir de dire, bah, l'intégration, allez, hop, venez, et puis on n'en parle plus, puis c'est bon. Non, c'est pas ça, l'intégration. Hein? L'intégration, c'est pour dire, c'est pas parce que vous êtes en situation de péché que vous êtes exclu de l'Église. Vous êtes dans l'Église, c'est une Église de pécheurs. Vous avez votre place, mais votre place va tenir compte de votre situation. Hein? Comme on va le voir un peu plus tard. À propos des divorcés mariés, donc au 299, la logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral. Alors, du coup, au numéro 299, le pape François donne quelques exemples de services hein, ecclésiaux qu'ils peuvent remplir, ces personnes. Mais en fait, il se garde bien de donner une liste exhaustive, parce que ça serait retombé dans ce piège d'une loi qui voudrait rejoindre toutes les situations. Oui. Donc, par exemple, dans le domaine liturgique, etc., des personnes divorcées peuvent faire, je sais pas, peuvent faire lire une lecture, peuvent même être catéchistes. Mais là aussi, ça demande un discernement. Moi, je me souviens quand j'étais curé de paroisse, j'avais une personne divorcée remariée qui était catéchiste, une très bonne catéchiste d'ailleurs, mais je ne lui donnais pas des enfants à préparer la première communion parce qu'elle-même aurait été mal à l'aise. Elle-même n'allant pas communier, c'était un peu délicat de. Oui, mais. Par contre, elle était une très bonne catéchiste et il n'y avait aucun problème. Donc voilà. Et puis, il faut tenir compte aussi parfois de la mentalité locale. Hein? Il y a des. Suivant là où en sont les gens, il faut y aller, il ne faut pas y aller forcément trop vite. Hein? Mais, donc, c'est à discerner. Ensuite, et là, je vais insister, ça va être le point le plus long de mon propos de ce matin, sur la question du désir profond. S'appuyer sur le désir profond des personnes. On l'a dit hier, nous sommes des êtres inachevés, des êtres blessés, mais nous sommes aussi faits pour un amour vrai, comme dit le pape François. Hein? Souvenez-vous ce que j'ai dit hier, nous sommes tous, sans exception, faits pour un amour divin. C'est dans nos gènes, hein, dans nos gènes spirituels. Parce que nous sommes capax dei, comme dit l'expression traditionnelle. Hein? Nous sommes faits pour Dieu, capables de Dieu. Et si nous oublions ça en pastoral, c'est une catastrophe. Parce que si nous oublions que chaque être humain est fait pour Dieu et donc pour vivre l'évangile, alors du coup, nous faisons de l'évangile une espèce d'idéal inatteignable, d'utopie, et nous n'osons même plus en parler. Nous n'osons plus une parole exigeante. Moi, j'avais constaté ça, je crois que je vous l'ai dit hier déjà à propos des jeunes. Quand je suis arrivé à la première paroisse, je disais, les adolescents, en gros, on dit, bon, ne leur pardonne pas de Dieu, ça ne les intéresse pas. Alors, on leur parle de la drogue, on leur parle de ceci, de cela, bon, c'est très bien, il faut le faire. Mais on ne leur parlait pas de Jésus, parce qu'on se disait, non, ça peut pas les jeunes, ça ne les intéresse pas. Enfin, ils sont faits pour Dieu.
comme vous et moi. Et il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une citation de Timon David. Vous connaissez la communauté Timon David qui a fondé des patronages. Moi, j'ai deux prêtres dans mon diocèse de Timon David et ils font un très beau travail auprès des jeunes. Et alors, Timon David disait ceci: chose étonnante, on craint de trop demander à la jeunesse et l'on n'obtient presque rien. On demande beaucoup et l'on obtient plus qu'on ne demande. C'est tout à fait ça. Il faut oser demander, être exigeant, parce que nous savons qu'ils sont faits pour ça. La radicalité du mariage, c'est la même chose. Si on n'y croit pas, si on ne croit pas que les fiancés sont faits pour cet amour un peu fou, là, où on se donne une fois pour toutes, ben, on n'ose pas aller jusqu'au bout de la radicalité. Comme je disais hier, hein, on va dire l'indissolubilité, on va parler de fidélité, bon, c'est pour toute la vie, hein, on n'insiste pas plus. Et après, quand ces gens-là ont divorcé, ils se sont remis en couple et qu'ils reviennent nous voir, et on leur dit, ah ben vous savez, c'est peut-être votre conjoint qui vous a quitté, mais vous, vous aviez promis de rester seul. Ah bon? On m'a jamais dit ça. Et c'est vrai, on ne leur a pas dit. On ne leur a pas dit parce qu'on n'ose pas. Parce que ces exigences paraissent, c'est vrai, complètement décalées dans la mentalité actuelle. Mais à nous, à ne pas en rester à l'esprit du monde. Donc ces gens, tout cela leur paraît décalé et inaccessible et inaudible, sauf si nous les aidons à redescendre au niveau de leurs désirs profonds, sauf si ils se rendent compte que ce n'est pas du tout une occasion qui vient contraindre leur liberté, mais c'est ce qui va au contraire leur permettre d'être profondément libres et libres pour aimer. Donc, vous voyez, toute notre pédagogie va être d'aider les gens à redescendre au niveau de leurs désirs profonds. Il y a en eux ce désir d'un amour où on se donne totalement, une fois pour toutes. Et ce désir profond, eh bien, le problème, c'est qu'il est souvent enfoui comme une source ensablée. Et donc, pour nous, pasteurs ou éducateurs, c'est la même chose avec les parents, avec les enfants, hein, il va falloir faire remonter ce désir à la surface. Cette pédagogie, elle ne remonte pas d'hier. Pensez à Socrate et la maïeutique de Socrate, hein. L'accouchement des esprits, hein, c'est ça, hein. Remonter à la surface ce qui est déjà en nous. Elle a toujours été nécessaire, cette pédagogie, mais je pense qu'elle l'est encore davantage aujourd'hui, où les personnes agissent plus en fonction de leur désir personnel qu'en fonction d'une norme. Alors là, c'est tout à fait d'actualité avec les débats sur la bioéthique, hein. Aujourd'hui, ce qui fait loi, c'est le désir. Hein, pensez au slogan pour l'avortement, hein. Mon choix, mon corps, mon choix, mon désir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu une petite interview là d'une jeune femme qui est connue aux États-Unis, mais une actrice, je crois, moi je ne connais pas, mais enfin. Et alors, bon, au départ, vous savez, tout ce qu'il y a sur le harcèlement sexuel, tout ça. Bon, donc elle a expliqué qu'effectivement, elle a commencé à être actrice à 12 ans, et bon, tout ce qu'elle a subi comme ça, c'est pas faux. Mais du coup, après, la réaction, c'est, elle disait, la révolution du désir. Oui, on a eu la révolution sexuelle, maintenant c'est la révolution du désir. Mon désir est roi, et on doit reconnaître mon désir. Ce que je veux doit se faire. La révolution du désir, ça m'a frappé comme expression. Et entre parenthèses, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder tout ça, mais sur les questions de bioéthique, en particulier la question de la PMA pour tous, là, pour les couples de femmes, c'est la même chose, hein. C'est le désir qui doit l'emporter. Et j'ai lu un article où quelqu'un dit, il faut maintenant établir le droit à la filiation universelle. Donc ça veut dire, je suis homme, je suis femme, je suis en couple hétérosexuel, en couple homosexuel, peu importe, j'ai un désir d'enfant, la science peut me le donner, j'ai droit. La toute puissance du désir. Ouais. Donc, aujourd'hui, les gens sont très sensibles à cette question. Il ne suffit pas de dire la loi aujourd'hui. C'est non. Il faut pouvoir leur parler de leur désir. Le tout, c'est que de les aider à rejoindre le désir profond et non pas un désir superficiel. Et donc, il faut là, bien sûr, s'inspirer de la pédagogie de Jésus.
On voit bien dans l'évangile comment Jésus s'appuie sur le désir profond des personnes. Et ça n'a pas échappé au pape François, qui fait référence à ça, au numéro 294, et qui va faire référence à bien sûr, au récit que vous connaissez de la Samaritaine. Je cite le pape, à propos de cette pédagogie sur le désir profond, il dit « C'est ce qu'a fait Jésus avec la Samaritaine. Il a adressé une parole à son désir d'un amour vrai. Pour la libérer de tout ce qui obscurcissait sa vie et la conduire à la joie pleine de l'Évangile. » Tout est dit là. Il s'est adressé à son désir d'un amour vrai pour la conduire plus loin. Mais c'est ça que nous devons faire. Et c'est vrai que c'est beau ce récit. Je vous invite peut-être à le relire quand vous pourrez, en méditant tout ça. Comment on voit Jésus qui établit ce dialogue avec cette femme, qui accueille son désir exprimé. Son désir exprimé extérieur, c'est quoi ? Elle a besoin d'une cruche d'eau, qui est un désir tout à fait légitime. Mais grâce à ce dialogue, Jésus va l'aider à descendre dans son puits intérieur. Elle dit son puits profond. Et au fond, Jésus l'invite à descendre dans la profondeur de son intériorité. Va voir en toi, va voir plus profond s'il n'y a pas un autre désir, s'il n'y a pas un désir plus profond. Et bien sûr, ce désir, vous l'avez deviné, c'est le désir de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, c'est le désir d'eau vive. Tu n'as pas simplement besoin d'eau H2O, d'une cruche d'eau, tu as besoin de l'eau vive. Vous voyez comme il va réveiller son désir de Dieu. Et le désir de Dieu, puisque Dieu est amour, c'est le désir d'un amour vrai. C'est le désir d'un amour qu'on se donne une fois pour toutes. Ce n'est qu'à partir de là, parce que quand on lit trop rapidement ce récit, on peut se dire quand même, il est gonflé. Et avec cette femme, il est humiliant même. Va chercher ton mari. J'ai pas de mari. Oui, je sais bien que t'as pas de mari. C'est le cinquième. Et puis celui avec qui vit, c'est pas ton mari. Hein. Bon, si on retient que ça, ça pourrait être vu comme quelque chose d'humiliant. Il met le doigt sur... Mais n'oublions pas ce qu'il y a eu avant. Il a fait remonter à la surface son désir de Dieu, son désir d'un amour vrai. Et donc, il va pouvoir, avec délicatesse, mettre le doigt sur sa blessure, qui est au fond la blessure de sa vie. Elle n'arrive pas à être fidèle. Pour pouvoir l'amener plus loin. Et cette femme, déjà, avant certainement de passer à l'église, si on peut dire, d'être en règle, elle va devenir témoin. C'est quand même impressionnant. J'ai rencontré le Messie. Elle va voir les gens de son village. Et les gens de son village vont pouvoir, entre parenthèses, c'est tout à fait le rôle du témoin. Je vous parle de Jésus, mais ensuite, et on va faire en sorte que vous puissiez voir Jésus. Et Jésus va venir dans le village. Et c'est très important, cette phrase où les gens disent « Désormais, nous croyons plus simplement sur les dires de cette femme, mais parce que nous l'avons vue. » Ce sont les deux étapes de la conversion. Première étape, c'est l'accueil d'un témoignage. Nous croyons le témoin sur parole, mais ensuite, il faut faire la rencontre soi-même avec Jésus. Donc, Jésus utilise cette pédagogie du désir profond pour la faire cheminer. Et je crois qu'il faut nous inspirer de cette pédagogie de Jésus. Vous voyez, on entend souvent dire « il faut prendre les gens là où ils sont ». Ça dit quelque chose de très vrai, bien sûr. Mais attention, ça peut être ambigu. Il faut prendre les gens là où ils sont. Si c'est pour dire on les prend comme ça, puis on les laisse comme ça, non. Il faut les rejoindre, pas uniquement dans ce qu'ils vivent à la superficie d'eux-mêmes, il faut les rejoindre dans leur désir profond et pour les faire cheminer. Sinon, je prends les gens là où ils sont. Oui, puis 10 ans plus tard, on est toujours au même endroit. Au fond, je dis parfois que notre pédagogie de pasteur, c'est d'arriver à faire se rejoindre le désir profond qui est dans les personnes avec le désir de Dieu. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on puisse rentrer dans l'alliance avec lui. Moi, ça me fait penser à, vous savez, à la chapelle Sixtine, la peinture de... avec les deux mains là, elle est là, voilà, refaire, se rejoindre le désir de l'homme et le désir de Dieu. Nous on est là pour ça. Et donc, nous devons accueillir avec bienveillance le désir que les gens expriment, et en même temps,
les aider à prendre conscience que ce désir en cache un plus profond. Comme on dit dans les SNCF, un train peut en cacher un autre. Un désir peut en cacher un autre. Oui. Nous devons les aider que ces désirs exprimés cachent. Ils n'ont pas forcément conscience qu'en eux, il y a un désir plus grand que le désir de Dieu. Je prends un exemple assez classique. Ces personnes qui sont divorcées, engagées dans une nouvelle union, et puis vont se marier à la mairie, et viennent nous voir en disant « Écoutez, père, on aimerait bien passer à l'église. » Bon, ces situations ne sont pas toujours simples à gérer pour nous. Alors, bon, toujours pareil, si on leur dit « Vous êtes divorcé, marié, allez dehors, j'ai rien à vous dire », ça ne va pas. Si on leur dit on va faire une petite célébration et ça ressemble complètement à un mariage, tout le monde après prend des photos, voilà, on est trouvé sur un curé sympa, il a accepté de les remarier, tout ça, bon, tout faux. Donc évidemment qu'il va falloir trouver une solution médiane. Mais notre pédagogie, plutôt que d'entrer tout de suite dans une espèce de négociation, parce que c'est vrai qu'on peut faire un temps de prière, on peut faire des choses, si c'est pas trop ambigu. Mais il faut pas commencer par là. Et si d'emblée ils viennent nous voir, ils disent bon alors, je vais vous expliquer. Voilà, on peut faire un truc. Je mettrai pas l'aube, ça sera pas le jour du mariage civil, etc. Bon, mais ça va pas. On les laisse à leur désir exprimé. Leur désir exprimé, au fond, c'est quoi? On voudrait passer à l'église parce que, et c'est pas forcément mauvais comme désir. C'est pour eux. C'est parfois c'est une forme de reconnaissance. Et puis bon. Mais nous, notre pédagogie, ça doit être d'accueillir, au lieu de commencer à se crisper en se disant « ça y est, la tuile, j'ai encore des divorcés mariés qui veulent passer à l'église, il y en a marre ». Non, les accueillir, j'allais dire, avec joie, avec émerveillement. Enfin, moi, en général, ces gens-là, je les reçois, je dis « voulez-vous marier, vous voulez passer à l'église ?» Mais c'est magnifique. Alors déjà, rien que ça, ils s'attendent tellement à se prendre une remarque désobligeante. C'est magnifique. L'église, c'est la maison de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a une place pour dans votre vie. Vous avez compris que la vie, c'est pas que du matériel, c'est se tourner vers Dieu. Mais c'est magnifique parce que Dieu vous aime. Ah bon? Bah oui, Dieu vous aime. Et puis vous savez, Dieu est la source de l'amour. Et hop, et puis comme ça. Puis, alors, je dis ça, mais c'est jamais pareil à chaque fois. Mais, et puis à un moment donné, on va tomber, si Dieu le veut, nous inspire dans le témoignage. Et du coup, on n'est plus dans un face-à-face. Hein. C'est toujours le principe du témoignage. Voici l'agneau de Dieu, au lieu d'un face-à-face où parfois ça va être dur, vous avez des gens, ils sont très revendicatifs, hein, ça peut être dur, la négociation est dure, pof, on n'est plus dans le face-à-face. Ouais, moi je peux vous dire, le Seigneur il a changé ma vie. On détourne les yeux du face-à-face pour se tourner vers Jésus, ça change tout. Après, patiemment, on va pouvoir leur dire, au fond, vous voyez, peut-être que derrière votre désir de passer à l'église, il y a peut-être quelque chose de plus profond. Au fond, vous êtes infiniment aimé de Dieu. Et Dieu, c'est vraiment, c'est notre trésor, quoi. Vous voyez, moi, j'ai quelque chose à vous donner, au fond, de plus grand que ce que vous voulez. Et alors, on va pouvoir expliquer en quoi finalement, le truc à l'église, peut-être, ça pourrait se faire, oui, peut-être. Mais peut-être que ça peut être aussi une sorte de mascarade, oui. Donc, par contre, on ne va jamais dire non. On va dire, j'ai quelque chose de mieux à vous donner. Vous savez, c'est comme l'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, je ne sais plus si c'est le chapitre 3 ou avec les mendiants de la belle porte. Vous savez, il y a le mendiant qui demande de l'argent là. Pierre lui dit moi de l'argent, je ne peux pas t'en donner, j'en ai pas. Par contre, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ben, nous, c'est ça qu'on doit dire. Un truc qui fait faire semblant de faire un mariage, non, ça je peux pas trop faire ça. Par contre, si vous voulez qu'on fasse un bout de chemin vers Dieu, là, je peux vous aider à faire un bout de chemin vers Dieu. Et non vers la joie, celui qui peut combler votre cœur. Je me souviens comme ça d'un exemple d'un couple, c'était vraiment des pauvres socialement, des gens qui avaient tout loupé, oui. Le chômage, leur métier, ça avait été une catastrophe. Leur mariage, une catastrophe. Ils avaient divorcé. La santé n'était pas bonne du tout. Enfin, il y a des gens qui ont tout loupé. Et ils voulaient absolument passer à l'église. Alors, dans ce dialogue comme ça, au fond, ils ont réussi à réaliser par eux-mêmes que c'était une façon de dire, nous, on voudrait montrer aux autres qu'on est capable de réussir quelque chose. Nous aussi, on peut avoir un beau mariage, passer à l'église.
Et donc, j'avais pu les aider à comprendre qu'au fond, ce désir-là, c'est le désir d'être aimé, finalement, le désir de reconnaissance. Ça cache le désir d'être aimé, d'aimer, d'être aimé. Alors, ils disent, oui, alors là, je peux vous aider à faire un bout de chemin. Et au bout d'un moment, ils ont dit, bah, c'est vrai, vous avez raison, on ne va pas faire semblant. Mais du coup, on va se mettre en route. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours si simple. Vous avez parfois des gens qui vont vous dire, bon, bah, ok, bon, on laisse tomber. Mais, parce qu'ils ne sont pas forcément prêts, si vous voulez, on va se revoir, on va approfondir la foi, l'amour de Dieu, tout ça. Certains vont dire oui, mais certains n'y sont pas prêts. Mais s'ils repartent, ils ne partent pas en claquant la porte. Et c'est déjà beaucoup. On ne les a pas blessés, on ne les a pas choqués, on ne les a pas éloignés de Jésus. Et peut-être que dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura une autre occasion pour eux qui feront un pas de plus vers Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne nous laissons pas piéger en restant au désir exprimé et en entrant dans une négociation. Alors, surtout pas au téléphone. Surtout pas au téléphone. Enfin, ça, je pense que vous avez l'expérience, vous savez, comme moi. Moi, je me suis fait piéger une fois, étant jeune prêtre, hein, à des gens où j'ai trop dit trop, au téléphone, je leur ai dit, ben non, ça, c'est pas possible. Ils ont raccroché. J'ai dit, ah oh, merde, zut. Je sais pas qui c'est foutu. Si ça se trouve, je les ai éloignés de l'Église et du Christ, c'est terrible. Donc, jamais dire au téléphone, même à la sortie d'une messe, ben voilà, on est dit au divorcé marié, est-ce qu'on peut communier? Ben écoutez, je suis content de vous accueillir, ça serait bien qu'on se voit, qu'on en parle. Jamais dire oui ou non, oui. Donc, n'oublions pas que le Christ peut répondre aux attentes les plus profondes des personnes. Hein. Et je vous recite une citation que j'ai citée hier au numéro 201. La pastorale familiale doit faire connaître par l'expérience que l'évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine. Donc cette pédagogie du désir, elle est très importante. Alors oui, là, j'ai déjà parlé dans le contexte actuel, j'ai évoqué la bioéthique. Les gens sont très sensibles à la question du désir. Il faut les aider à réfléchir sur la nature du désir. Est-ce que mon désir, je reviens sur l'exemple de la PMA pour tous, hein, où ben, vous avez compris, hein, de femmes qui peuvent avoir accès à la PMA, ça veut dire que on décide a priori que cet enfant vivra sans père. Donc la question c'est, est-ce que mon désir d'enfant, qui est tout à fait légitime, un désir d'enfant à la base, hein, mais est-ce que ce désir, il est égocentré? Ou est-ce qu'il est centré sur l'enfant? C'est ça la question. Parce que s'il est égocentré, bon ben l'enfant n'aura pas de père, c'est pas grave. Hein. Et de toute façon, on trouvera toujours certains pédopsychiatres pour vous dire bon, l'enfant il se rattrapera, c'est pas grave. Hein. On pourra toujours se justifier. Mais ou alors est-ce que mon désir il est centré sur l'enfant, sur le bien de l'enfant? À propos de ça. Je voudrais vous livrer un témoignage. J'en avais parlé à l'été dernier à Paray-le-Monial parce que ça venait juste de se passer. Mais je vous le redis, je trouve ça très beau. C'est une femme que j'ai confirmée à la Pentecôte l'an dernier. Donc, elle a fait tout un chemin de foi, car dans les 45 ans, mariée, et n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc, ils ont décidé d'avoir recours à une FIV, à FIVette. Sauf qu'ils sont à un âge, elle est à un âge où c'est plus remboursé. Parce que dans la loi actuelle, qui a un peu de bon sens quand même pour l'instant, la PMA, c'est réservé pour les couples hétérosexuels en âge de procréer. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire, ça, la médecine, elle est faite pour soigner une maladie. Mais un couple qui a 70 ans, qui n'ont pas d'enfants, ben, c'est naturel. Et deux hommes ou deux femmes qui vivent ensemble, ils peuvent pas avoir d'enfants, c'est pas une maladie. Et la médecine, toute cette technique qui valent très cher, n'est pas faite pour satisfaire tous les désirs, elle est faite pour soigner. Bon. Mais ça, malheureusement, c'est un argument qui porte plus beaucoup aujourd'hui. Toujours est-il que donc ce couple ne pouvait pas avoir accès à la FIV en France, qui est remboursée, donc ils se sont tournés vers l'Espagne. Ils ont commencé tous les protocoles. De stimulation ovarienne chez la femme, etc. Bon, c'était un parcours un peu compliqué, puis ça coûte cher. Ils m'ont dit, pour le premier essai, c'est 9 000 euros. Donc, on a économisé, depuis plusieurs années, on a économisé pour avoir ça. Bon.
Et il devait aller en Espagne 3-4 jours après. Et puis, alors, elle me dit, mais elle a vécu une expérience spirituelle. Elle a entendu que, comme une voix intérieure de la Vierge Marie qui lui parlait d'avortement. Et alors, elle était très déstabilisée. Elle avait tout à fait conscience que l'avortement, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qu'il ne faut pas faire. Par contre, la fillette, elle avait pas du tout, voyait pas du tout le problème. Parce que c'est vrai que c'est plus, techniquement, c'est plus compliqué. Donc, elle n'avait pas du tout imaginé qu'il y avait un problème éthique. Et là, elle entend, elle vit cette expérience spirituelle qui la trouble, qui, elle en parle à son mari. Et du coup, lui, il va sur Internet. Et vous savez, sur les forums de discussion, etc., sur la fillette, machin. Et sur un forum, il tombe sur quelqu'un qui dit, mais l'Église, elle est opposée à la fillette. Alors là, elle, encore plus troublée, elle se dit, mais ça alors, elle en parle à la religieuse qui s'occupe du catéchuménat, qui l'avait un peu préparée à la confirmation. Et cette religieuse m'appelle, je crois qu'on était le jeudi, elle devait partir le dimanche, un truc comme ça. Et elle me dit, voilà la situation, je suis un peu embêté. Alors comme cette femme habitait à Ajaccio, parce que en Corse, hein, les distances, et ben, je lui dis, moi je veux bien la rencontrer avec son mari. Mais j'aimerais bien rencontrer les deux, parce que c'est une affaire de couple. Hein. Alors, bon, elle lui propose, et puis l'autre appelle en disant, ben moi je veux bien rencontrer l'évêque, mais mon mari, là, il est en colère, là, non, il veut pas. Bon. Alors je dis, ok, ben je reçois cette femme. Et puis donc, je la reçois, puis, bien sûr, je commence par l'écouter. À part lui faire un peu exprimer tout ça, sa vie, son désir, ses souffrances et son désir d'enfant. Puis peu à peu, je l'aide précisément, comme je vous disais tout à l'heure, à descendre un peu plus profond. Mais au fond, derrière, parce que le problème de ces, ce que j'appelle ces parcours du combattant, là, pour la fillette, c'est que plus. Parce que c'est eux qui le disent, les gens, c'est un vrai parcours de combattant qui peut durer des années, avec des désillusions, c'est très dur. Et donc, plus vous avancez sur ces parcours-là, plus vous focalisez sur le désir d'enfant. À un moment donné, les gens ne pensent plus qu'à ça. Et donc là, ça devient très dur de prendre de la distance. Et donc, j'ai essayé de prendre la distance, etc. Puis comme elle avait fait tout ce chemin spirituel, bah, elle lui montrait que derrière le désir de Dieu, et donc le désir de faire la volonté de Dieu, est quelque chose de plus profond en elle. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure de la discussion, alors qu'au début elle pleurait, etc., j'ai vu qu'il se détendre, s'apaiser, et à un moment donné, elle m'a dit, mais vous avez raison, mais bien sûr, je vais arrêter tout ça. Alors après, elle s'est dit, bon, ben maintenant, c'est qu'il y a le mari. Alors, bon, j'ai essayé de lui donner un petit peu quelques clés pour aborder ça avec son mari. Et puis, elle en a parlé avec son mari. Et ensuite, le lendemain, elle m'a envoyé un texto. Et alors, je vais retrouver ça, je pense. Voilà. Elle m'envoie ce texto. Mon mari et moi avons beaucoup discuté concernant la FIV. Et très clairement, mon mari m'a dit que lui aussi, il craignait Dieu. J'étais la femme la plus heureuse. Alors qu'elle renonce à avoir un enfant. À partir de là, la question ne se posait plus et nous avons décidé de tout annuler. Nous avons vécu un moment très beau et très fort, malgré la douleur du renoncement, mais Dieu avant tout. Et après, elle remercie. Oui, c'est moi, ça m'a beaucoup touché et puis je trouve que c'est vraiment un exemple qui illustre, hein. Alors, c'est pas toujours des situations aussi compliquées, mais comment nous devons ne pas nous laisser piéger à entrer dans des négociations, mais aider les gens à voir plus profond. Sinon, nous sommes perçus comme des administratifs derrière un comptoir. Non, non, vous n'êtes pas dans les. Et donc, il faut développer une pastorale du désir. Je vois les jeunes aujourd'hui, ils sont séduits par de multiples sollicitations de la société de consommation, mais ils sont insatisfaits en profondeur. Parce qu'ils ont soif d'absolu et de bonheur. Et tout ce que leur propose la société de consommation ne peut pas étancher leur soif. Et le discours de l'Église leur semble souvent déconnecté de leur vie. Mais si nous les aidons à prendre conscience de leur désir profond, alors la parole de Dieu pourra les rejoindre. Cela suppose de les aider à développer leur intériorité. Je l'ai un peu évoqué hier. Parce que la société de consommation
avec cette, comme dit, je sais plus qui, la dictature du bruit, elle nous maintient dans un état de superficialité. Il faut que nous ayons conscience de ça. La société de consommation nous maintient dans un état de superficialité. On a le bruit partout. Aujourd'hui, j'ai remarqué que dans les voitures modernes, vous mettez le contact, paf, la radio s'allume. C'est ce que j'appelle la dictature du bruit. Vous allez faire vos courses dans les magasins, partout, vous avez la musique. Vous allez chez le dentiste, partout où il y a la musique. Vous voyez, on n'avait plus d'espace de silence. Comme si on voulait nous maintenir dans cette superficialité. Parce que si on n'a plus accès au silence, on n'a plus accès à notre intériorité. Et donc, nous sommes des bons consommateurs. Malléable à merci. Hein? Alors les jeunes, pas que les jeunes d'ailleurs, hein, mais les jeunes sont très manipulés par tout ça, donc il faut les aider à prendre conscience de l'importance de l'intériorité, du silence. Et là aussi, il faut y aller mollo, c'est une pédagogie de l'initiation. Moi, comme jeune prêtre, je manquais d'expérience, et je me souviens, j'avais des animateurs de jeunes qui étaient des jeunes adultes qui avaient 20 ans à peu près. Et moi, sortant du séminaire, je dis, bon, allez, on va faire une retraite en monastère, un week-end en silence. Et bien, j'en ai vu un qui a paniqué total. Il est parti à un moment donné en courant dans sa voiture. Après, il me dit, mais j'étais dans ma chambre, je paniquais, j'en pouvais plus de ce silence. Je suis allé dans sa voiture mettre l'autoradio. Et ça m'a aidé à prendre conscience que il faut y aller progressivement avec les jeunes. Certains n'ont plus du tout l'habitude du silence. Donc, vous voyez toujours cette même idée. Si on veut faire remonter le désir de Dieu, le désir profond, il faut développer l'intériorité. Ensuite, dans ce parcours d'accompagnement avec les personnes en situation dite imparfaite, j'ai marqué faire la vérité devant Dieu. C'est-à-dire que quand on parle d'intégration, ce n'est pas un but en soi, l'intégration. C'est très important, bien sûr. Mais c'est pour les aider à faire un chemin et dans ce chemin, les aider à avoir un regard plus objectif sur leur situation. Vous savez bien que dans la vie spirituelle, on ne progresse pas tant qu'on ne veut pas regarder la réalité en face. Donc il faut les aider à avoir un regard plus objectif sur leur situation. Et c'est dans ce sens-là que le pape au numéro 300 parle d'un examen de conscience. C'est dans ce sens-là, faire la vérité. Y voir plus clair. Et nous savons bien que dans ces situations qui sont souvent douloureuses, hein, les divorces, l'approche est toujours très objective, très subjective. Hein. Et parfois, nous entendons des gens nous dire, en gros, les torts, c'est 100% de son côté et 0% du mien. Je suis totale victime, lui c'est le coupable, moi je suis la victime. Bon, peut-être pas si simple. Ou même quand les gens vous disent, et ça c'est assez fréquent, mais des gens qui n'ont jamais été mariés. Et puis, voilà, une femme, mettons, qui n'a pas été mariée, tombe amoureuse d'un homme qui était déjà marié. Elle va avoir tendance à dire, mais vous, vous ne voulez pas me marier à l'église. Mais moi, je ne me suis jamais marié à l'église, moi j'y suis pour rien, c'est lui qui est marié. Alors là, avec beaucoup de délicatesse, hein, dans cet accompagnement, on va aider la personne à dire, bah oui, mais d'un point de vue objectif, vous avez fait le choix de vivre avec quelqu'un qui est marié. Alors, il faut y aller avec délicatesse, mais l'objectivité, c'est ça. Vous avez fait le choix, et vous faites aujourd'hui le choix de continuer à vivre avec quelqu'un. Sa femme, elle existe toujours. Hein. Et Jésus est très clair là-dessus. Hein. Celui qui épouse une femme qui a été répudiée, il commet l'adultère avec elle. Bon. Donc, vous voyez, avec délicatesse, mais aidez les gens à regarder les choses, moi, de vue, le plus objectif possible. Bon. Ensuite, grâce à ce travail de vérité, on va pouvoir mieux discerner, hein, le mot discernement qui revient si souvent dans ce texte, mieux discerner aussi la part de responsabilité. Et là, le pape François redit quelque chose qui est tout à fait traditionnel dans l'Église, c'est que, il cite d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique, c'est au numéro... Non, d'abord au numéro 300, il dit « Le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas. » Et au numéro 302, il cite le catéchisme de l'Église catholique du numéro 1735 en disant « L'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées, voire supprimées. » Bon, ça, c'est la théologie la plus classique de catholique. Un exemple simple, enfin simple, une femme qui a avorté, d'un point de vue objectif, c'est un crime.
Hein, l'enfant a été tué. D'un point de vue subjectif, nous savons très bien qu'aujourd'hui, la part de responsabilité de la femme est parfois assez faible. Enfin, parfois, la culture a tellement banalisé l'avortement, l'entourage qui la pousse à avorter, etc. Moi, je me souviens, j'oublierai jamais cette jeune femme qui est venue me voir un jour en pleurs, qui avait une vie vraiment tout allait bien, une jeune femme jolie, intelligente, avec une belle situation familiale, un mari sympa, tout ce qu'on veut. Ils avaient deux enfants, tout allait bien. Et puis, ils se sont dit, tiens, on va avoir un troisième enfant. Très bien, elle est enceinte. Oh, ce sont des jumeaux. Alors, à panique, parce qu'on avait prévu trois, mais quatre, non. Et tout son entourage, ses parents, tout le monde, avorté. Et elle m'a raconté qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? Et une jeune, une infirmière, je crois, vient la voir. Elle dit, non, mais non, finalement, je crois que, vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Et hop! Et moi, j'ai reçu cette femme, elle était décomposée, c'était ramassée à petite cuillère. Et après, elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Bon, alors, heureusement, elle est venue me voir, on a pu faire un chemin de reconstruction. Mais oui, pour dire que là, il faut bien distinguer l'objectivité de l'avortement, hein, mais qui est toujours grave. Et la responsabilité, c'est pas pour justifier, hein, mais c'est voilà, ça fait partie de la vérité. La responsabilité subjective peut être très diminuée. Bon. Et nous savons aussi bien, en tant que prêtre ou accompagnateur, que vous avez suivant les psychologies des gens qui sont plus du côté de la surculpabilité et des gens qui sont plus du côté de l'auto-justification. Alors nous, notre rôle, ben, c'est les aider à retrouver un peu d'équilibre. Il y a des gens, il ne faut surtout pas les culpabiliser, ils sont déjà dans l'hyper-culpabilisation, etc. Et ça les détruit d'une certaine façon. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Hein. C'est comme tous ces gens, ces personnes parfois qui viennent se confesser. Je vous écoute. Non, ben moi ça va. Hein, non, je vais me confesser parce que c'est Pâques, alors il faut se confesser, mais moi j'ai pas de péché. Hein. Bon. Par contre, mon mari, oui. Alors, donc l'accompagnement, j'ai jusqu'à quelle heure là au fait? Jusqu'à 10h15. Ok, il faut que j'accélère un peu. Donc aider la personne à se remettre en question. Hein. Alors là, le pape François est très clair en disant, numéro 297, que celui qui revendique la reconnaissance de sa situation contre l'enseignement de l'Église se met lui-même à l'écart. Donc, il s'agit, la personne qui est dans l'auto-justification en disant « Moi, je vis comme ça, je vais communier et c'est moi qui ai raison », non, ça, c'est pas bon. Hein. Alors, on continue à accompagner, mais ça va pas. Hein. Donc, avec les personnes divorcées, remariées, et là, je parle pas simplement à partir de ce texte, mais je parle à partir de mon expérience, parce que moi, dans mon parcours, bon, je vous ai dit, j'ai fait des études sur le mariage, tout ça, et après, quand je suis arrivé en paroisse, bien sûr, j'étais confronté à cette question des personnes divorcées, remariées, et j'ai fait le choix, parce que j'estime que c'est le jour de notre ordination, on pose un acte d'obéissance en l'Église. Donc moi, j'ai fait le choix dans tout mon ministère de faire ce que l'Église demande. Donc, les divorcés remariés, c'était très débattu à l'époque entre prêtres et tout ça. Mais je dis que l'Église vous demande ça. Donc, je fais l'effort de comprendre la discipline actuelle et puis d'accompagner les gens sur ce chemin. Et j'ai subi des critiques hein, entre ceux qui me disaient « Non, mais tu leur dis de ne pas communier, point barre. » Et puis ceux qui me disaient « L'Église évoluera et laisse tomber. » Non, moi, je fais ce que l'Église me demande. Et du coup, ça a été pour moi très, très riche parce que j'ai pris l'habitude d'accompagner ces gens patiemment. Parfois, il faut passer par une catéchèse, etc. Et pour leur montrer en quoi cette discipline en elle-même, elle est bonne pour eux. Pas du tout une punition, une exclusion. Mais ça demande patiemment de faire ce parcours. Alors ce parcours, souvent, le pape y fait référence, ça commence par un regard dans le rétroviseur. Il faut revenir un peu sur le passé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, faire la part des choses, hein, c'était complètement de sa faute, oui, bon. Et puis surtout, le pape insiste beaucoup sur les enfants. Et les enfants, là, là-dedans. Parce que ça, inconsciemment, on n'en parle pas, hein, mais les premières victimes, ce sont les enfants.
Donc, il en parle au numéro 300, tout ça. Hein. Ça peut être aussi, ça peut passer. Moi, je me souviens une fois, une femme me disait, ouais, ben, mon mari, voilà. Et je dis, et maintenant, votre mari, il est où là? J'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, mais peut-être ça serait bien de prendre des nouvelles de lui. Elle lui a téléphoné et il était au fond du gouffre. Et je ne sais pas si elle l'a sauvé, mais en tout cas, ce coup de téléphone a été très très bénéfique parce que son mari, effectivement, il était en pleine dépression et que. Bon. Donc, parfois aussi, on peut susciter une réconciliation. Une réconciliation avec l'époux, même si on est séparé. Hein. Ou déjà, soi-même arriver à pardonner, même si ce n'est pas dans les deux sens. Hein. Et donc, il s'agit de regarder en arrière, mais pas uniquement. Il s'agit de voir maintenant comment, avec ce regard plus objectif sur notre passé, hein, on a fait la part des choses, comment on peut avancer. Et pour concourir, dit le pape en numéro 300, à la formation d'un jugement correct sur ce qui entrave la possibilité d'une participation plus entière à la vie de l'Église et sur les étapes à accomplir pour la favoriser et la faire grandir. Bon, vous reconnaissez le style, hein, on avance, hein, mais des étapes. Donc, dans cet accompagnement, la règle de base, c'est la discipline actuelle. Ceux qui interprètent Amoris Laetitia en disant, bon, ben maintenant, le pape, il nous explique comment on va accompagner les gens pour leur permettre de communier, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas du tout ce que dit le pape. L'accompagnement, c'est pour les aider à faire la vérité, voir comment cette discipline est pour leur bien. Après, on verra qu'il peut y avoir des cas limites. Mais la règle de base, c'est. Donc ça nous demande un effort pour nous de vraiment comprendre cette discipline de l'Église. Est-ce que j'en parle après? Oui. Et cette discipline de l'Église, elle passe par la question de l'Eucharistie, bien sûr. Et moi, je pense que c'est le problème de. Derrière tout ça, parfois je dis c'est un peu tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'il y a un vrai problème de pastoral de l'Eucharistie. C'est-à-dire que, excusez-moi, je suis un peu schématique, hein, mais en gros, et ça s'explique par notre histoire ecclésiale, hein, c'est toujours la question du balancier. Hein. Et donc après le Vatican II, il y avait des mots qui étaient un peu tabous, comme le sacrifice. On s'est tellement fait reprocher d'être rabat-joie, d'être contre le plaisir, d'être sacrifice. Hop, exit, sacrifice, on n'en parle plus. Et donc, vous savez, le Concile Vatican II nous dit l'Eucharistie, il y a deux dimensions qui marchent ensemble, c'est le sacrifice et c'est le repas. Et après Vatican II, encore une fois, excusez-moi si je suis un peu schématique, on a évacué la question du sacrifice et on a accentué la dimension du repas. Donc si l'Eucharistie, c'est qu'un repas, les gens, ils vous disent, attendez, je suis invité à un repas, je ne peux pas passer à table. Et ils ont raison de réagir comme ça. Donc, la question. Et du coup, si je viens à la messe et que je ne peux pas communier, c'est nul. Ça n'a aucun sens. Alors, c'est là qu'il y a tout un travail à refaire pour retrouver le sens profond de l'Eucharistie et ce que veut dire participer à l'Eucharistie. Et là aussi, on est passé d'un extrême à l'autre. Les plus anciens d'entre nous, peut-être, ont connu l'époque où on communiait très, très peu. Les gens, parfois, ils communiaient deux, trois fois par an. Mais il venait à la messe. Et on peut participer à l'Eucharistie sans communier. Mais ça suppose d'avoir conscience que, pris conscience, alors, bien sûr, il y a déjà toute la liturgie de la parole, et ensuite, la prière eucharistique, qu'est-ce qui se passe? Et le Vatican II est très clair en plus là-dessus. Hein. Ça rend présent le sacrifice du Christ, qui s'offre, qui renouvelle l'offrande de sa vie pour nous sauver. Et nous, comment nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés par la foi en adhérant à ce sacrifice. C'est pour ça que nous, c'est le contact avec le mystère pascal qui nous sauve. Hein. Et le mystère pascal qui a eu lieu 2000 ans, il est rendu présent à chaque Eucharistie. C'est pour ça que nous pouvons être sauvés. Et donc, à l'Eucharistie, nous sommes invités à poser un acte de foi. Le Seigneur, je dirais, à nous laisser toucher au cœur par cette déclaration d'amour de Jésus qui dit, je donne ma vie pour toi. Et donc, la première chose, c'est de se laisser toucher, dire oui, Seigneur, je crois que tu as donné ta vie pour moi. Et moi, en retour, c'est toute la logique de l'amour. Tu te donnes et moi je me donne à toi. Et donc je suis dans l'offrande.
hein, ce qui est symbolisé par la procession des offrandes, etc. Hein. Nous aussi, nous nous offrons, Seigneur, comme dit la prière eucharistique numéro 3, hein, que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Donc, le Seigneur offre et nous sommes invités à nous offrir. Et en tant que baptisés, c'est le sacerdoce commun, tous les baptisés vont offrir par les mains du prêtre. Bien sûr, s'il n'y a pas de prêtre, ce n'est pas possible. Par les mains du prêtre, on va offrir à Dieu le sacrifice. C'est tout ça, la participation. Et donc, quand vous accompagnez ces personnes divorcées et mariées, moi je l'ai fait souvent, et que vous les aidez peu à peu, ça demande du temps, hein, à entrer dans cette logique, et c'est incroyable le chemin spirituel qu'ils font. Et parfois, on se dit, mais ils en sont bien, bien plus loin, avancés bien plus que d'autres fidèles qui vont communier tous les dimanches, et qui vont communier comme des moutons, hein, sans même savoir ce que ça signifie. Ils ne se sont pas confessés depuis des années. Et, oui. Et ces gens-là vont offrir, vont vivre intensément l'Eucharistie. Ils vont offrir en particulier leur souffrance de ne pas pouvoir communier. Et ils vont se présenter humblement devant le prêtre en demandant la bénédiction, d'une façon de dire, mais tu vois, Seigneur, je ne suis pas dans l'auto-justification. N'oubliez pas que dans le temple dont parle Jésus, hein, celui qui est justifié, c'est celui qui se reconnaît pécheur, c'est pas l'autre qui est content de lui. Hein. Donc, Seigneur Jésus, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ce que je vis, c'est pas en cohérence avec le mystère de l'Alliance. Et en même temps, je sais bien que tu ne me réduis pas à ça, je sais que tu m'aimes toujours, et au fond de mon cœur, au fond, j'ai le désir d'être fidèle. Et c'est pour ça que je viens humblement vers toi. Et ces gens ne peuvent pas communier, mais ils reçoivent des grâces immenses. Et du coup, ils deviennent prophétiques pour les autres. Moi, j'ai vu dans ma paroisse, il y a eu, quand j'ai commencé à parler de ça, etc., j'ai bien vu qu'il y a eu l'évolution. Après, les autres, ils me disaient, mais ces gens nous bousculent. Ils nous aident à prendre conscience que c'est vraiment important, l'Eucharistie et la communion. Et d'ailleurs, après, je voyais des gens qui étaient mariés, entre guillemets, en règle, et puis de temps en temps, qui ne venaient pas communier. Parce que je leur disais, c'est pas parce qu'il n'y a pas que les divorcés mariés. Parfois, si vous êtes violemment disputé avec votre mari juste avant de venir à la messe, bon, bah, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Et puis, donc peut-être que vous pouvez vraiment participer à l'Eucharistie ce jour-là sans communier. Puis, après, vous irez vous réconcilier, vous confesser. Dimanche prochain, vous viendrez communier. Du coup, ça dédramatise le fait de venir recevoir la bénédiction. Et tout le monde en profite. Oui. Mais oui, derrière, il y a la question de la pastorale, l'Eucharistie. Est-ce qu'aux enfants du caté, on leur apprend vraiment ce que c'est que l'Eucharistie? Si on ne leur apprend pas ce que c'est que l'Eucharistie, on va inventer des subterfuges pour les attirer. Mais ça ne marche pas longtemps, ça. Hein, enfin bon, excusez-moi, c'est un petit peu une de mes marottes, mais je pense que là, il y a quelque chose de très important. Et donc ensuite, bon, s'appuyer sur la grâce, là je passe très rapidement. J'en ai parlé hier. Quand nous sommes face à des situations compliquées, il faut poser des actes de foi. Hein. Après, je passe au point suivant, prendre en compte les conditionnements. Alors, vous me permettez de dépasser un petit peu le temps, parce que là, je me rends compte que... Oui, je suis désolé. Hein. Prendre en compte les conditionnements. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte... Nous, on est convaincus que cette discipline, elle est bonne. Très bien. En même temps, les personnes, ils ont des conditionnements et une difficulté à changer de situation, parfois. Hein. Au numéro 302, le pape écrit « Dans des circonstances déterminées, les personnes ont beaucoup de mal à agir différemment. » Au numéro 301, « Il peut exister des facteurs qui limitent la capacité de décision. » Un jour, je discutais avec un prêtre un peu carré, disons. Il avait du mal à comprendre ce que dit le pape là. Et il avait dit, mais est-ce que le pape, il n'est pas en train de nous rabaisser l'évangile, à faire un truc à l'eau de rose, quoi. Parce que nous croyons dans la théologie qu'avec la grâce, nous pouvons faire ce que le Seigneur nous demande. Alors, il se trouve que ce prêtre fumait. Je lui dis, mais père, comment se fait-il qu'avec la grâce, vous n'arriviez pas à arrêter de fumer? Vous voyez, la grâce, c'est pas quelque chose de magique. Elle nous aide bien sûr, mais après il faut parfois du temps. Bon. Donc, dans ce contexte, il faudra discerner, je cite, les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations. Numéro 305. Numéro 308, il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour.
Voilà, toujours cette idée dans le temps. Hein. Donc, on n'est pas là pour appliquer un protocole. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de modifier la discipline de l'Église. Elle n'est pas arbitraire, elle n'est pas sans fondement, elle est liée au projet de Dieu sur le mariage. Et d'ailleurs, le pape insiste pour dire qu'il ne s'agit pas de rabaisser le projet de Dieu sur le mariage. Au numéro 307, il dit « Comprendre les situations exceptionnelles n'implique jamais d'occulter la lumière de l'idéal dans son intégralité, ni de proposer moins que ce que Jésus offre à l'être humain. » C'est très équilibré son texte. Au numéro 307, il dit aussi qu'il faut éviter toute forme de tiédeur ou de relativisme. Il faut que nous ayons conscience que, c'est, effectivement, c'est, comme on est sur la ligne de crête, on peut facilement un peu déraper. Mais il faut prendre en compte les conditionnements, qui fait les circonstances qui font que ce n'est pas toujours possible, hic et nunc, là, maintenant, tout de suite, de faire au fond ce que je devrais faire. Dans ces situations, je cite, « à cause des conditionnements ou des facteurs atténuants », fin de citation, numéro 305, il faut aller au-delà de la situation objective. Et parfois, on peut être amené à reconnaître que la discipline de l'Église n'est pas forcément, là tout de suite maintenant, la solution la plus adaptée. Parce que, encore une fois, nous, notre but, on n'est pas des psychorigides de la loi. Le but, c'est pas d'abord que la loi, la discipline soit respectée, mais c'est que la personne soit sur un chemin de croissance. Et donc parfois, et cette fameuse note 351 du numéro 305, la personne pourra bénéficier de l'aide de l'Église, y compris parfois des sacrements. Donc, vous voyez bien, il faut vraiment que nous soyons très honnêtes pour rester sur cette ligne de crête. Il ne s'agit pas, et ne disons pas, comme l'ont dit certains, ça y est, maintenant les divorcés mariés peuvent communier. Ce n'est pas ça la pensée du pape. La discipline de l'Église est bonne, mais parfois dans cet accompagnement, eh bien, on se rend compte qu'il y a des cas qui sont tellement limites que si on veut absolument faire passer la discipline de l'Église, on risque de faire plus de mal que des biens. La personne risque de claquer la porte, on ne la reverra plus, qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, parfois, de façon temporaire, dit le pape, on pourra dire à des personnes, bon, allez, bah, écoutez, vous avez accès au sacrement, donc ça veut dire à la fois confession et Eucharistie. Et puis on en reparle, on réévalue les choses dans quelques temps. Mais nous, notre but, c'est toujours la croissance des personnes. Hein. Évidemment, attention, ça peut être un peu facile de dire, bon alors, ça nous règle tous les problèmes. Non, après, il faut réévaluer les questions. Hein. On est dans le sur-mesure. Alors derrière, il y a la question de... Et puis je vais terminer par ça, après le reste, j'y reviendrai peut-être dans les questions ou l'échange. La question de la loi de gradualité. Le pape François fait référence explicitement à la loi de gradualité qui est au numéro 295 en disant « Dans ce sens, Saint Jean-Paul II proposait ce qu'on appelle la loi de gradualité, conscient que l'être humain, et ça c'était Jean-Paul II qui parlait, l'être humain connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d'une croissance. » Et donc chaque être humain, je cite, « va peu à peu de l'avant grâce à l'intégration progressive des dons de Dieu et des exigences de son amour définitif et absolu dans toute la vie personnelle et sociale de l'homme. » Donc, vous voyez, la loi de gradualité, au fond, c'est de dire la loi, elle est bonne, elle est pour tous. Et tout le monde est appelé à la sainteté. Et on doit poser cet acte de foi que c'est possible, avec la grâce, c'est possible. Et donc, on ne doit pas rabaisser les exigences de l'Évangile, on doit guider les gens, toute personne, sur ce chemin de la loi de Dieu. Mais nous reconnaissons que il n'est pas toujours possible, même avec la grâce, d'accomplir parfaitement la loi de Dieu, là, tout de suite, maintenant. Et donc, dans certains cas, on pourra malgré tout donner l'accès au sacrement à partir du moment où la personne reconnaît. Si la personne nous dit, de toute façon, la loi de Dieu est mauvaise, non, ça ne va pas. Si la personne est dans l'auto-justification, ce n'est pas bon. Si la personne ne prend pas les moyens pour essayer d'avancer sur ce chemin, n'a pas le désir de tendre vers cette loi, ça ne marche pas. Mais on voit parfois des situations de personnes qui disent, nous, on voudrait... Bon, c'est... En fait, ça, jusqu'ici, on l'appliquait essentiellement sur les questions de régulation des naissances.
Ben nous, on essaye vraiment, on comprend que ce que nous dit l'Église, c'est vraiment bon, c'est un chemin d'épanouissement, etc. Bon, mais alors nous, c'est vraiment compliqué, voilà, on n'y arrive pas. Bon. Mais on est tendu vers ça, oui. Alors on peut quand même vous confesser, etc. Mais là, le pape, si vous voulez, il élargit un petit peu cette question, qui était un peu circonscrite à sa question de régulation des naissances. Donc, on prend davantage en compte les conditionnements, la dimension subjective, hein, de l'agir. Donc, il ne s'agit pas de donner des privilèges à certains. Et au numéro 300, le pape dit qu'il faut éviter tout ce qui pourrait laisser croire que l'Église entretient une double morale. Et au numéro 301, il faut qu'on ne pense jamais qu'on veut diminuer les exigences de l'Évangile. Vous voyez, c'est vraiment du sur-mesure, du cas par cas, hein, mais qui fait que parfois, effectivement, on pourra se dire, ben voilà, pour cette personne, pour l'instant. Hein. Alors après, il y a un certain nombre de critères, mais je vais arrêter là pour ne pas trop dépasser. Il y a des critères pour ce discernement. Hein, mais un des critères, ces personnes reconnaissent-elles le bien fondé de l'enseignement de l'Église? Donc ça veut dire qu'en amont, nous, on a fait l'effort de leur montrer ce que signifie cet enseignement de l'Église. Bon, j'ai prévu après, mais j'en parlerai peut-être plus tard, de montrer en quoi cet enseignement s'inscrit dans la continuité des papes en gros depuis Vatican II. Parce que certains ont pu dire qu'il y a une rupture par rapport à ce que disait Jean-Paul II, en particulier dans Veritatis Splendor, le pape François, c'est une rupture, c'est pas fidèle à la tradition. Donc, j'ai prévu de montrer en quoi avait des accentuations différentes, il y a vraiment une continuité dans cet enseignement.